Le secteur des mines au Burkina Faso est considéré comme l'un des plus dynamiques de l'Afrique de l'Ouest. Le pays possède en effet des ressources minières variées, notamment l'or, le zinc, le cuivre, le manganèse, réparties sur l'ensemble du territoire, mais souvent mal exploitées. Des pratiques qui entravent la préservation de son patrimoine naturel. La fermeture et la réhabilitation des sites miniers, des enjeux essentiels enseignés aux différents acteurs de ce secteur afin de préserver l'environnement et de mieux gérer les impacts socio-environnementaux. Au regard des enjeux de cette activité, j'engage donc tous les acteurs ici présents à une pleine participation aux travaux qui devraient permettre à terme d'examiner les défis actuels liés à la réhabilitation et la fermeture des sites dans les secteurs miniers, de partager les meilleures pratiques nationales et internationales en matière de réhabilitation et de fermeture minière, de définir les grandes lignes directrices de réhabilitation et de fermeture des sites miniers au Burkina Faso. Le ministère de l'Énergie, des Mines et des Carrières entend examiner les défis liés à la réhabilitation et à la fermeture des sites miniers, partager les meilleures pratiques nationales et internationales et définir des lignes directrices en vue de lancer ces processus au Burkina Faso. On enregistre déjà le renforcement des contrôles sur les sites miniers et la fermeture de plusieurs activités sur les mines clandestines. Le secteur des mines est l'un des secteurs les plus dynamiques aujourd'hui et depuis 2009, c'est l'un des secteurs qui apporte plus de revenus, de devises au pays. Donc, compte tenu de l'importance de ce secteur, il était normal que nous puissions implémenter un suivi contrôle et également assurer une gestion dans toute sa transparence de l'industrie extractive. Le secteur minier est un véritable moteur économique au Burkina Faso. En 2023, les recettes directes au budget de l'État s'élevaient à 529 milliards de francs CFA contre 540 milliards de francs CFA en 2022 et 470 milliards de francs CFA en 2021. En 2024, il devrait encore jouer un rôle essentiel dans la croissance économique du pays.